Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour, enfin, une nouvelle routine soins anti-âge. Et oui, peau mature, normale, mixte, avec, on va dire, sensible, déshydratée. C'est moi. Ça fait, oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petite routine soins, tout simplement parce que ben, tous les produits que j'ai testés ou les routines que j'ai testées, les produits n'étaient pas assez bons pour que je vous en parle. Les soins, c'est un investissement et donc c'est important de pouvoir, en tout cas pour moi, vous présenter des produits qui fonctionnent vraiment bien, avec lesquels j'ai vu une différence et voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça me fait très très plaisir. La petite cloche des notifications. Un petit like si ça vous a plu avant la fin de la vidéo. Je vous mettrai mon petit compte Instagram là ici si ça vous intéresse. Et on va faire ben, une petite routine soin ensemble. Je vais la faire, je vais l'appliquer, on va en parler. Il s'agit là de la lotion hydratante apaisante anti-stress de la gamme ressources de chez Givenchy. C'est une première étape essentielle. C'est une lotion enrichie en extrait de réglisse qui laisse la peau apaisée et qui affine son grain pour la préparer à recevoir les bienfaits des soins suivants. Sa texture fraîche et légère au parfum subtilement relaxant enveloppe la peau d'un bain d'hydratation. C'est une lotion qui contient 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, en termes de contour des yeux, moi j'ai choisi le Kiwi Seed Oil Contour à l'huile de kiwi de chez Antipode. C'est une crème contour des yeux à la fois onctueuse et légère qui apporte la fraîcheur et l'apaisement à la zone qui est vraiment très très délicate du contour des yeux. Elle est riche en vitamine C issue du kiwi de Nouvelle-Zélande et elle hydrate et atténue les ridules. Elle est sans parfum et je dois bien avouer que c'est vraiment une très très belle découverte. C'est un contour des yeux qui va normalement convenir, je pense, à tous les types de peau qui ont besoin, par exemple pour les ridules, pour le vieillissement de la peau, les peaux sèches, les peaux déshydratées, les taches pigmentaires, les peaux sensibles. La texture est ultra légère, mais on sent bien qu'il y a de l'hydratation, que ça raffermit le contour de l'œil. Et je trouve vraiment que c'est un contour des yeux anti-âge qui fonctionne très bien. Il va aussi produire, comment dire, aider à la production de collagène. C'est vraiment un produit qui m'a étonnée. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à trouver des bons contours des yeux, donc celui-là, vraiment, il est excellent. Alors, ensuite, il s'agit des sérums. Alors, j'applique deux sérums. Le premier, c'est le ressource sérum concentré hydratant fortifiant anti-stress de chez Givenchy que je vais associer en fait avec, et là, je vous le remettrai dans le petit i, mon ancienne routine soin. Je vais poser le sérum Advanced Genifiq de chez Lancôme en activateur de jeunesse. Et j'insiste sur jeunesse et non pas éclat. C'est donc le Givenchy, lui, va, c'est vraiment une texture extrêmement légère, concentrée d'hydratation, avec un parfum très 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 doux. Hein. Il fusionne très bien avec la peau, il ressource. À l'intérieur, il y a de l'extrait de fruits de la passion qui accompagne l'action du Biotimos complexe déposé par Givenchy pour un soin qui renforce la peau contre les effets du stress et qui va vous laisser la peau forte et vraiment repulpée, qui resplendit. C'est un produit qui est fait à 97%, il me semble, de produits d'origine naturelle. Et je vais donc le combiner à l'Advanced Genifiq Jeunesse, qui est un produit absolument exceptionnel.
je vais venir mélanger donc la texture très légère du sérum de chez Givenchy avec la texture aqueuse de l'Advanced Genefic Activateur de jeunesse. Celui-là, bien spécifiquement, il est vraiment pour tout type de peau. Peu importe votre âge, c'est réellement un sérum rajeunissant qui réduit l'apparence des signes de l'âge, des petites lignes, qui va jouer sur vos rides et vos ridules, vraiment. Qui va stimuler l'élasticité pour révéler une peau douce et flexible avec cet effet un peu repulpé et rebondi. C'est réellement une formule très très rapide de cocktail, donc qui est infusé avec un cocktail d'antioxydants, avec de l'acide hyaluronique. Les deux textures vont se mélanger extrêmement bien ensemble et vont réellement venir faire de votre peau une peau vraiment à son plus beau. Je sais pas comment vous expliquer, le résultat est réellement splendide et j'adore combiner ces deux produits. Ensuite, je vais venir appliquer la crème ressource, qui est une crème fine hydratante, pareil, hein, de chez Givenchy. C'est une crème qui est en fait une crème en gel rafraîchissante, qui contient 97% d'origine, de produits d'origine naturelle, d'ingrédients naturels, pardon. C'est un gel crème au parfum relaxant qui fond complètement dans la peau, qui offre une hydratation vraiment fraîche et intense et durable, parce qu'elle est conçue normalement pour faire 72 heures d'hydratation, même si nous on en met tous les jours. Voilà, c'est une texture qui s'adapte parfaitement aux peaux qui ont besoin d'hydratation, aux peaux déshydratées qui ne veulent pas trop briller. Ça va réellement apaiser, repulper, rééquilibrer la peau et ça va lui donner un éclat naturel. J'adore cette crème qui en plus a une démarche éco-responsable, hein, de la part de la marque par rapport au packaging qui est rechargeable et donc qui peut être recyclé. Voilà, j'adore cette crème. C'est une parfaite crème pour le printemps et l'été. Et on va terminer bien sûr avec une crème, la crème Cicabio FPS 50+, de chez Bioderma, qui va être un soin hydratant, apaisant, qui va faire du bien aux peaux abîmées par le soleil, qui va apporter une protection à large spectre contre les UV. C'est une crème solaire qui intègre de l'acide hyaluronique, à nouveau, pour redonner à la peau toute son hydratation, et du zinc qui va libérer ses propriétés antioxydantes, qui va aider aussi pour l'inconfort et les démangeaisons. Mais moi, c'est vraiment mon produit solaire préféré. Je l'ai choisi avec un dermatologue, avec le mien, bien sûr. Mais ça se trouve en pharmacie, hein, vous choisissez votre produit. C'est juste que je le trouve non seulement très efficace, mais en plus, il est fait pour les peaux d'un certain âge. Elle est résistante à l'eau, cette crème, ce qui est très important pour moi. Elle convient très bien aux peaux qui vont être normale, sèche, abîmée, elle n'a pas de colorant artificiel, elle n'a pas de parfum et elle ne laisse pas de caste blanc. Donc, c'est un chouchou pour moi. Donc voilà, on en a fini avec ma routine du matin. Oui, c'est ma routine du matin depuis pas mal de mois maintenant. Quoi vous dire? Est-ce que toutes les étapes sont obligatoires? Non. Est-ce qu'elles me plaisent et est-ce qu'elles me font plaisir? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le fait que j'associe certains produits à d'autres? Oui. Évidemment, vous pouvez vous passer du booster. Ce que moi j'appelle le booster, en fait, c'est qu'en fait, d'habitude, j'utilise le V89 de Vichy. Et je trouve que la lotion ressource de Givenchy fait le même genre de travail, d'une façon différente, mais qui est aussi agréable. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer vraiment pour booster l'effet des produits qu'on va appliquer derrière. Pourquoi j'associe ces produits-là? Ben, celui-là, tout simplement, parce que c'est un sérum réellement de, comment dire,
fortifiant et très hydratant. Mais il n'y a pas de... Enfin, pour moi, j'ai besoin de rajouter un produit anti-âge. Alors certes, les produits anti-âge coûtent beaucoup plus cher. Ça, je vous renvoie dans le petit i, si je ne vous l'ai pas déjà dit tout à l'heure, à ma vidéo, mon ancienne vidéo de routine soin, dans laquelle je vous décrivais vraiment en détail. Ce sont des vidéos généralement longues. Là, j'ai voulu faire ce format pour faire un peu plus court, mais l'ancienne vidéo était longue. Et je vous expliquais pourquoi l'Advanced Généfique jeunesse et pas éclat. Pourquoi aussi celui du contour des yeux, ben pourquoi je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai pas gardé en routine, je l'ai terminé, hein, mais je veux dire, je ne l'ai pas gardé dans ma routine de continuité. Et ce produit-là est réellement un produit fantastique. Concernant l'âge, je le trouve vraiment formidable et je trouve que les deux textures mariées ensemble, c'est magnifique à appliquer. La crème, pareil, je vous en ai parlé, mais la texture, c'est une crème en gel. Donc, c'est vraiment, on est vraiment sur de l'hydratation au maximum. Et en plus, avec ce printemps-été, c'est le genre de texture que j'aime plus que tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur de la crème riche, c'est vraiment une crème fine. On a l'impression qu'elle est très épaisse quand on la regarde comme ça, mais en fait, c'est vraiment une crème en gel. Et l'application, c'est un bonheur. C'est un bonheur. J'adore appliquer cette crème, je peux pas dire. Elle est super efficace. Elle est super efficace. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est vraiment bien pour hydrater. Et pareil, ça n'est pas forcément un produit anti-âge, mais je suis venue vraiment appliquer le sérum de chez Lancôme. Donc, en fait, chaque produit fait son job pour moi. Moi, j'ai besoin d'avoir un produit anti-âge et j'ai surtout besoin d'avoir après de l'hydratation. Je ne veux pas que ma peau ait de marques dans la journée. En tout cas, le moins possible. Elle n'en aura pas zéro, hein. C'est pas possible, mais le moins possible. Petit contour des yeux Kiwi Seed Oil de chez Antipode, je le trouve vraiment efficace. Et si vous regardez mes vidéos d'avant, ben, par exemple, quand j'ai tourné la vidéo de soins, vous verrez réellement la différence. J'en ai essayé plusieurs entre-temps, hein, avant de le trouver, celui-là. J'ai eu pas mal de déceptions. Faut être honnête, pas des grosses déceptions, mais arrivé à un certain âge, ou alors quand on veut une certaine efficacité, il y a des produits qui ou qui ne vous font rien, ou qui ne sont pas bien dosés, c'est-à-dire que vous risquez de vous retrouver avec des grains de mélium. Et alors ça, mon Dieu, une grosse hantise que j'ai eue, j'ai réussi à les faire partir. Et il n'est pas question que je laisse ça revenir. C'est pour ça que je dis les produits, c'est vraiment... moi, j'ai le contour de l'œil vraiment très, très, très sensible et délicat. Je dois faire attention à ce que je mets dessus. Pas trop riche, mais quand même un petit peu. Avec un petit peu de... Il me faut une formule douce, mais qui s'étire. Il faut que ce soit vraiment une texture et un produit d'excellente qualité pour que ça ne me fasse pas, que ça nourrisse comme il faut mon contour de l'œil. Après, bon, j'ai des petites marques là, machin, c'est pas encore mon Graal, soyons clairs, mais je trouve que c'est un bon produit pour le contour des yeux. Et cette Cica Bio SPF 50 que j'adore appliquer d'une manière un peu... Oh, c'est mieux que de faire comme ça, là, et puis de pas savoir. J'aime faire ça. C'est avec ces tubes-là, je trouve ça vachement bien. Et j'adore ce produit. Il est vraiment fait pour les peaux fragilisées, généralement par le soleil déjà. Mais si, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans ma routine, vous aviez un produit comme avec du rétinol ou des choses comme ça, ou des produits plus costauds, hein, au-dessus que le rétinol, c'est vraiment fait pour les peaux sensibles qui vont avoir besoin d'être apaisées, d'être protégées, d'être restaurées pour une vue de la barrière cutanée. Voilà, c'est vraiment
C'est une excellente crème de chez Bioderma, vraiment. Elle n'a pas de caste blanc, elle pénètre vite dans la peau, elle protège extrêmement bien. Voilà, SPF 50+, on la trouve dans toutes les pharmacies dignes de ce nom. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de ces produits en barre d'infos. Mais voilà, c'est ma routine, c'est ce qui me donne ça, voilà. Donc voilà, j'ai 50 ans, ce que je veux moi, c'est avoir aucune démangeaison sur ma peau sensible. Je veux qu'elle soit extrêmement bien hydratée, parce que l'hydratation, c'est 80% du boulot. Et je veux pouvoir faire en sorte de retarder les signes de l'âge, c'est-à-dire les marques les plus prononcées, ben les repousser le plus longtemps possible. Et évidemment que je souhaite jouer sur la fermeté. C'est quelque chose de très difficile tant qu'on reste dans la cosmétique. Et c'est la partie, en fait, qui va être la plus difficile à trouver. Mais dans ce combo du matin, les produits sont vraiment plutôt pas mal, voilà. Donc je trouve que il me conserve pas si mal, hein, n'est-ce pas? Donc je peux que vous les recommander. Je vous mettrai, oui, il me semble que je vous l'ai dit, mais je sais plus en fait. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, on en a fini pour cette petite routine soin du matin. J'espère vraiment que ça vous aura plu comme vidéo. Dites-moi en commentaire quel est le produit pour vous qui est le plus important dans une routine soin le matin. Et ce que j'aimerais savoir, c'est réellement qu'est-ce que vous recherchez dans votre... Qu'est-ce que vous recherchez comme résultat? Voilà, parce que ben j'ai mes problématiques, je vous donne mes... comment dire, les résultats de mes recherches. Tiens, wawa. Donc les résultats de mes recherches. Mais je teste tellement de choses que, voilà, j'aimerais savoir, vous, quand vous vous retournez vers un produit, comment vous le choisissez? Et est-ce que vous êtes souvent déçu? Est-ce que vous prenez soin d'activer les produits anti-âge suffisamment tôt? Est-ce que vous pensez qu'il est... Enfin, par exemple, si vous en avez jamais utilisé, est-ce que vous pensez que c'est inutile? Est-ce que vous pensez que c'est trop tard? Enfin, ce genre de choses. Donc, rejoignez-moi en commentaire, qu'on puisse papoter. Et puis, si vous avez une sacrée pépite, n'hésitez pas à me la partager en bas, en commentaire, pardon. Bah quoi? Toutes les sources sont bonnes à prendre. Allez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!